Troisième épisode de notre série à 0€. J'espère que tout le monde est en forme, que tout le monde va bien. Bah écoutez, moi ça va mieux les gars, après toutes ces galères de caméra. Comme vous pouvez le voir, la qualité a vraiment upgrade. On est sur un caméscope de folie, en espérant que celui-ci ne surchauffe pas. Les mecs, gros programme comme je vous disais. On a les récompenses Elite 1 Clash Equipe. On a le 83x10 du niveau 10 à ouvrir. Beaucoup de packs, on a également des étoiles moment à dépenser et j'espère que l'équipe va upgrade. On est parti les gars. Ça y est, les premiers crédits IFC 24 Ultimate Team sont disponibles. Si tu veux te faire plaisir dès le début du jeu, n'hésite pas à check la description et n'oublie pas le code AXOSKILL pour une grande réduction. Alors les gars, comme je vous disais dans cette intro, nous avons fait Elite 1 en Clash Equipe. On va aller chercher les récompenses dans un instant. Juste avant, je vous montre au niveau du niveau 10 parce qu'on me demande dans le chat Twitch justement. D'ailleurs, n'hésitez pas à nous suivre sur Twitch, on stream tous les jours. On me demande comment j'ai fait pour être niveau 10, les gars. Bah écoutez, c'est assez simple. En fait, vous regardez dans la saison et il y a des objectifs à remplir. Hein. C'est des matchs à faire, des buts à marquer, des passes dés à faire, etc. Vous avez des objectifs ici. Hein. N'hésitez pas à faire défiler, les gars, et à bien regarder. Au niveau du palier, par contre, là, vous n'avez pas d'XP à récupérer. Tout se passe ici ou bien en live. En live, il y avait dernièrement un objectif. C'était Founder, il me semble. Il n'est plus dispo. J'ai récupéré toute l'XP. Et là, on a le truc Nike. Par contre, là, il vous faut une carte Nike, les gars. Si vous n'avez pas de carte Nike, vous ne pouvez pas remplir les objectifs. Moi, ce que j'ai fait, c'est que j'ai juste acheté une carte. J'ai fait un match et je l'ai revendu. J'avais peur de trop perdre de crédit. 1000 XP, vous gagnez. 1000 XP, ce qui n'est pas rien, 1000 XP. Et c'est pour ça qu'en fait, je suis niveau 10. Niveau 10, on va pouvoir choisir un très gros pack, les mecs, qu'on va d'ailleurs sélectionner maintenant. Nous avons le choix entre celui-ci, qu'on n'est plus chaud à choisir. Et celui-ci, t'as deux fois moins de joueurs, mais c'est du 84+. Les gars, n'hésitez pas à nous dire, YouTube, dans le chat, enfin dans les commentaires, pardon, ce que vous avez pris. Bon, les gars, vas-y, je prends le 10 joueurs. J'ai envie de prendre le 10 joueurs. Vas-y, on aura des FODA au pire, vas-y. De toute façon, c'est ce que je voulais prendre à la base. Bon, les gars, on va aller récupérer les récompenses Clash. Avant d'aller les récupérer, juste un petit coup d'œil à mon équipe. Elle n'a pas changé depuis l'épisode 2, les gars. Voilà, on n'a pas rejoué depuis. J'ai pas fait de match rivals. J'ai fait mon élite en Clash équipe. Voilà, je prends mon temps. Surtout que j'ai deux comptes en plus, donc j'ai pas envie de courir. On fera peut-être les hybrides. Pays ou Pays League, on verra bien. Mais peut-être qu'on va y toucher tout à l'heure. Elle, voilà, je vous en ai déjà parlé. C'est n'importe quoi. C'est juste n'importe quoi. On a fait évoluer Caicedo aussi. Je regrette un peu parce qu'il n'y en a qu'une évolution dans le Welcome to Evolution. Voilà, les gars, je ne vais pas vous mentir. Ce que j'aimerais avoir, c'est un bon défenseur central. Je privilégierais même la défense à l'attaque, tellement que c'est dur de défendre. Après, c'est pas plus mal que ça soit dur. Comme ça, on apprend et ça nous laisse une bonne marge de progression. Là, de toute façon, avec tous les packs qu'on va s'ouvrir, l'équipe, elle va upgrade, c'est certain. Clash équipe, on récupère. Alors, je sais pas combien vous avez fait, vous, quel score. Moi, perso, élite 1. Et on gagnait, voilà, les matchs 5-0, quoi. Après, ça faisait quoi, 1800, 1900 points. Maintenant, à l'avenir, j'aimerais bien mettre légende pour gagner plus de points et faire moins de matchs. Si seulement on pouvait faire que 20 matchs, ça serait nickel. Eh ben écoutez les mecs, 22 000 crédits plus de packs 50 000. Et on a de l'XP, grande nouveauté les gars. Quand tu fais du Clash, ou peut-être même de la Rivals et du Cult Champion, ça te donne de l'XP. Donc ça, c'est bien. Allez les gars, on est parti. On commence ce pack opening. On a les Amelio pour commencer. Allez, eSport, fais rêver. Fais rêver d'entrée là. Américain, DC. Oh, ça, c'est une femme, ça. Ça, c'est une madame. Ça va être qui? Ça va être qui? Davidson. OK. Bon, on a Roberton et Davidson, les gars. Allez, deuxième amélioration. Bon, on veut mieux quand même. Hein. Allez, Espagnol, DC. Ça va pas être ouf, je crois. C'est qui, ça? Il a Ramendi. Truc comme ça. Zubielda avec Moreno. Bon, bah c'est nul. eSport, double 81. Allez, on veut upgrade l'équipe, là. Qu'est-ce qu'on va avoir? Oh, ça, c'est merdique. C'est Zeko. Après, il est peut-être mieux noté qu'avant. Non, il est 83, je crois. C'est pas terrible. Alors là, déjà que le jeu est lent, bah là, il est en slow motion, les gars. Méga rare. Oh putain, c'est invendable. Il est. Donne-moi une belle carte qui rentre dans ma team, là. Un pack méga rare. Allez, allez. Portugais, DC. Oh. Ah, mais ça peut être que Ruben Dias, ça. Putain, mais j'ai tout City, les gars. J'ai tout City. Oh, il passe à la place de...
de Stones. Bah, il est lent après, mais je pense qu'il est fort. Hein. Il doit être fort, Dias, les gars, non? Derrière, on a Caligiaris, Sabitzer, Savanier. Ouais, ça, c'est des faux dats, ça. C'est pas intéressant du tout. Mais tu vois, je suis content, Dias, parce que c'est quand même un bon décès. Après, il va être lent, mais je pense que niveau placement... Je suis là. Je vais attendre qu'il refroidisse un peu. Là, je l'ai éteint. Allez, pack à 50 000. C'est parti, c'est ouvert. Attention. J'espère qu'on va avoir de la chance, les gars. Allemand, MC, Kunabegundo, j'avais oublié. Elle peut jouer, elle. Attends, j'ai qui en DG? On a Mewis, Zapata, Otamendi. Bon, au moins, c'est vendable, hein. Mais bon, avec Gundo, tu vaux rien du tout, quoi. Allez, deuxième pack à 50 000, les gars. Allez. Oh, ça, c'est pas ouf. Quoi? Mais non, mais c'est qui? C'est qui? Ah, on a Saint-Max. Et là, il est à 20 000. Bon, il est l'heure d'ouvrir le gros pack. 10 joueurs 83 plus. Allez, e-sport, tu sais ce qu'il te reste à faire pour nous régaler. Allemand, BU, c'est qui ça? Oh, ça, c'est une meuf, ça. Ah, je sais qui c'est. C'est Pop. Oh, il y a une deuxième. Non? C'est qui? Oh non! Mais pourquoi? Quoi, je me retiens là, vraiment, je me retiens. Après, je me dis, il y a quand même trois notes pour éventuellement faire De Bruyne. C'est vrai qu'on a eu Eugénie, les gars. 1 hour later. Hybride championnat, voilà, on va y arriver. Hein. L'autre fois, on a fait hybride, hybride pays. Et là, on fait hybride championnat. On terminera demain ou après-demain le hybride ligue et pays. On prend notre temps. Et surtout, le but, c'est que ça ne nous coûte rien. On est parti, les mecs. On s'ouvre dans l'ordre, hein, évidemment. On a un pack or rare pour commencer. Allez, pack or rare pour commencer. Italien, Dédé, Di Lorenzo possible? Non, même pas, c'est qui ça? Calabria? Ouais, Calabria, on commence doucement les mecs, c'est pas très intéressant. Pack à 25k, cette fois-ci c'est des joueurs. Anglais, gardien, gardienne. À tous les coups, ouais, ça va être la gardienne ça, non? Ça va être la gardienne, putain, oups! Oups! Rabiot, ça c'est bien. Ça c'est bien Rabiot, Rabiot c'est très intéressant. On a un pack joueur hors prime, 82 gen plus garantie. Elle a un petit boost là. Oh, c'est une verte. Oh! Non! Oh, c'est Van Dijk! Oui, c'est lui! Oh! Let's go! Incroyable! Vamos! Oh, la dinguerie, elle est tout cassée, sa mère. Incroyable. On le voulait, le défenseur. Oh, la dinguerie. Je pensais que ça allait être Chiesa tous les jours. Oh, la folie. Oh! Oh, la folie, les gars. On a notre décès, c'est incroyable. Oh, c'est une dinguerie. Virgile qui tombe, les mecs. Le meilleur décès du jeu, on peut le dire. Hors icône, bien sûr. Bon, là, on a vu le VR, quand même. Et quand j'ai vu Pays-Bas, décès, je me suis dit, ça peut être que Van Dijk. Mais j'ai quand même eu l'hésitation. Putain, c'est magnifique, les mecs. On a Huerta, Pepe, on a Simons. Mais il est passé où? Oh, j'ai cru, il est... J'ai eu peur, j'ai dit, attends, il est où? Oh, c'est trop bien, les gars. C'est trop bien, Van Dijk. Putain, on a une PL en plus, c'est top. Et c'est vraiment en défense que j'ai besoin, moi, tellement que je suis nul derrière. Et les gars, j'ai un trio, là. Ederson, Van Dijk et Dias, Walker. Et ça commence à prendre forme, les gars. Par contre, elle, je vous dis, elle bouge pas. Hein. Les gars, on n'a pas fini. On a les deux plus gros packs du SBC, mais on a déjà eu une dinguerie. Pour moi, là, c'est victoire. Même si on n'a rien... Moi, je signe. Hein. Tu me dis avant, Van Dijk tombe, je signe. Portugais, MC, je sais pas. City, c'est qui? Bernardo? Ouais, on voulait un milieu. Hein. Eh, c'est pas mal, hein, quand même. C'est quand même pas mal. Maintenant, Bernardo, il a quand même pris une claque. Hein. On a le petit Jota. On peut réfléchir, lui, pour le faire évoluer, mais bon... 50 000, est-ce que ça vaut le coup? Allez, le pack à 100 000 crédits, les gars, pour terminer cette belle ouverture qui, pour l'instant, est réussie. On est déjà très contents. Anglais, AD. Saka? Il est animé ou pas, Saka? Non, c'est mid. Oh, apparemment, elle est forte, mid. Elle a pas 5 étoiles, mid. La double anime, les mecs. Eh ben, c'est bien. Ouais, elle est 5 et 4, mid. Après, le reste du pack, il est frauduleux, les mecs, hein, quand même. Mais bon, on peut rien dire. Vu ce qu'on a eu avant, on a interdiction de se plaindre. Bon, les mecs! Magnifique. Vraiment, on ne pouvait pas rêver mieux. Enfin, c'est une folie. Je voulais en plus un bon décès. On en a eu deux, les gars. Et pas n'importe qui. Hein, pas n'importe qui. Du coup, c'est super cool. On a également packé une belle attaquante qui a l'air très sympathique. Moi, je vais vous laisser là-dessus. Prochaine vidéo et prochain stream demain. Du coup, on fera peut-être du pay to win demain. On ira sur le compte secondaire. On ouvrira les gros packs qu'il y a dans la boutique et on verra bien ce que ça va donner. Bonne journée à vous, les gars, et à demain. Ciao, ciao.